Là où le vent est en hausse ce matin sur les canaux, bonjour à toutes et à tous et bon vendredi, un vendredi qui commence de manière perturbée, temps couvert à variable avec averse, température extérieure à 10 degrés, température de l'eau à 12 degrés, marée qui est en train de descendre, le plein bas est à 11h15 avec des coefficients de 94, sur ce descendant le vent est un offshore, ouest-sud-ouest soutenu à force, un Beaufort établi des rafales à 6, Clapot et Mouton sont déjà réveillés sur le plan de haut et on a une houle longue de 11 secondes de période, orientée ouest à ouest-nord-ouest, multipique et à la hausse, plus petite que prévu une fois de plus, 1,50 à 2 mètres en déferlement régulier, 2,30 m à 2,50 m aux séries. Ça, on voit que c'est tordu, c'est moche, c'est pourri, pas de surf et pas d'action. L'évolution pour le reste de la journée nous donne une fenêtre qui devrait être favorable pour les spots de repli cet après-midi, car le vent va basculer au sud et se calmer un petit peu, sur un train d'houle qui, lui, va continuer de s'amplifier. La bouée Arcachon est à la hausse à 4,10 m et 9 secondes. Les prévisions à 13h, on devrait être dans du 2,50 m à 3 m. Houle, ouest à ouest, nord-ouest, 12 secondes de période, vent ouest-sud-ouest, Saint-Beaufort, et à 17h, 3 m, 3,50 m, houle ouest à ouest, nord-ouest, 12 secondes de période, vent sud-sud-ouest, 4 Beaufort, avec la bascule du vent au secteur sud sur un train d'houle plus conséquent, et ça tombe avec la marée haute, il y aura une option pour les motiver, pour les spots de repli. Prochain point à 8h30, à tout à l'heure, merci.